Depuis quelque temps, yon train insécurité cap couru à toute vitesse sous territoire national là. Malgré diverses interventions président République là, malgré diverses interventions gouvernement Jovenel Moïse là, malgré tout diverses interventions DG Léon Charles a fait beaucoup de paris pour ouais si ta stopper train insécurité ça cap couru à toute vitesse sous territoire national là, mais c'est bien malheureux, c'est des efforts jusqu'à présent qui poko ka joindre yon réponse. Faut moi dis nous Marlene Nestan c'est une étudiante encore une fois qui arrivé perdu la ville dans Port-au-Prince là nous capable dire plus précisément sur route tabac après que parents t'a cherché depuis bien des temps après que famille t'a prélé dans toute radio a demandé pour lui selon information gen moun qui t'a lui faire connait que jeune étudiante ça lui même yo t'ai kidnappé mais c'est information qui pas vraiment confirmé alors selon information qui sorti de bonne source côté parents yo t'a pas ta wè li depuis bien des temps alors journée lundi yo arrivé retrouvé corps jeune fils ça dans zone tabac. Alors, je ne dis pas n'a pas la vola, demoiselle Sali même qui trouvait le nom mort petit frère c'est cap glacé. Mais comment la vie jeune haïtien a trépassé dans le pays d'Haïti? Malgré nous, en pile haïtien a couru quitter le pays, malgré diverses interventions, tout beaucoup de opposition lui même cap critiqué mauvaise gestion président République. Qui t'a voulu faire connaître ce qui a passé dans le pays, c'est président qui t'a la cause, malgré tout, qui a accusé DG Léon Charles et nous connaissons Mario André Sol, c'est un monde qui t'est passé dans la tête de la police là, lui-même tout sous contrôle de tout, t'a envoyé un message by Léon Charles et fait connaître pour DG la police là, prend toute bonne responsabilité. Alors, je vous dis, malheureux, malheureuse, pas suspend à victime sous territoire national là. Et là, nous pourrons apporter plus d'informations sous le dossier SILA. Haïti Insécurité, Kesni Exantus, c'est un monde la police te mette yon avis de recherche de yel, et bien, fok mwen di nou, BLTS arrive faire yon gros arrimage sous yout aéroport, pardon, alors, et BLTS arrive mette la page sous monsieur, après que la police te mette yon avis de recherche de yel, monsieur, yon te accusé en tant que moun kap fait zam entre illégalement sous territoire national la. Yon te retrouvé yon calibre 9 mm ak 24 touche et sous nom monsieur dans un conteneur alors DCPJ te mette un avis de recherche de elle alors faut me dit nous journée aujourd'hui monsieur retrouvé en bas mais la police cap répondre question DCPJ alors BLTS te arrivé mette la patte sous Kensi Exantus sous route à sous route aéroport après que DCPJ te arrivé mette un avis de recherche derrière citoyen si là. C'est toute série information ça yo nous pral porter pour vous dans rubrique journal nous pour jodi. Déjà n'a remercier ou même qui regarder vidéo ça ou même qui pral partager ou même qui pral quitter un like sans oublier ou même qui pral quitter un commentaire. Déjà nous remercier ou même qui abonné avec channel là ou même qui toujours a partager ou même qui toujours a like ou même tout qui toujours a quitter un commentaire dans chaque vidéo que nous partager ensemble avec vous sous channel là. Faut me dire ou c'est seule façon ou capable encourager nous dans travail ça n'a fait c'est le ou abonné avec channel là, le ou quitte un commentaire, le ou quitte un like et puis le ou pas oublier partager vidéo ça n'a pas gardé là. Ou même quand regarder vidéo qui déjà abonné encore une fois n'a pas remercié et ou même quand regarder qui peut-être pas abonné avec channel là, n'a pas invité à abonner avec channel là, une façon pour pas rater aucune information n'a bien pour nous partager ensemble avec vous sous channel là. Je viens de annoncer et Haïti qui gagne une crise insécurité qui bla école depuis bien des temps. Haïti qui gagne une crise kidnapping tout qui bla école sous territoire national là depuis bien des temps. Malgré crise et économique, malgré crise politique, Haïti a fait face. Ça pas empêché la vie chère avec la misère pas suspendre a fait malheureux malheureuse monter yon calvaire bado. Mais ça pas empêché tout bandi exam continuer à tout pisi population haïtienne.
Malgré nous, yon crise kidnapping depuis bien des temps, personne n'a pas épargné. Chauffeur moto, chauffeur tap-tap, machin et ouvrier, quel que soit moun ou ya ou pas kidnappé. Alors, encore une fois, secteur santé a pris yon l'autre coup côté Marilyn Estan, qui est une étudiante en sciences infirmières, qui a étudié dans l'Université Notre-Dame d'Haïti, yon arrivé retrouver col journée lundi dans zone tabac après que selon information famille yo ta enlevé depuis jeudi yo tap chercher yo pa jam trouvé alors yo vin trouver quoi sous route tabalan pendant que li même li était disparaître depuis bien des temps selon information qui circule sur internet là yo ta vle fait quoi qui s'est kidnappé ou te kidnappé demoiselle ça et yo pour que jam mande yo rançon alors faut moins di nous encore une fois secteur santé a pas suspend a victime en bas main nèg exam secteur santé a pas suspend a victime en bas main a tout fait ça yo cap si mari la troublaille sous population haïtienne. Malgré nous, le président République là beaucoup de parle pas suspend à faire des interventions, malgré tout président pas suspend à prendre micro la presse, yon façon pour le dire que l'état haïtien a travail pour capable venir avec bon gens sécurité dans pays a, mais ça pas empêché jour jodi et train insécurité ça pas suspend à valer terrain sous territoire national là. Haïti insécurité, la police arrive faire un gros arrimage sur route aéroport. Alors nous capable dire plus précisément BLTS arrive mettre en barcode Kesni Exantus qui c'est un nan moun la police te mette yon avi de recherche derrière en tant que moun k'ap fè zam entrer sous territoire national là illégalement. Faut moi di nou yo te trouvé sous nom monsieur yon calibre 9 mm ak 20 cartouches dans un conteneur. Alors la police te mette yon avi de recherche derrière depuis bien des temps, y a cherché monsieur depuis bien des temps, la police a cherché contrôle monsieur. Alors BLTS te arrivé fè yon arrimage et mette la pat sou citoyen sa sou route aéroport. Yon nan kesyon an pil moun ap pose sou tout internet la et yon nan repons tout an pil moun pou ka jwenn se nou toujou en Haïti grand cargaison zam kap antre nan peyi a nou toujou pa konnen ki kote dossier sa yo yo passé. Dossier sa yo toujou passé nan tiwa, dossier sa yo tout c'est dossier enquête ki toujou ap continuer quand il s'agit c'est grand autorité kap fait des cargaison zam antre nan peyi a, mais nou souvent retou depuis ces ti calibre 9 mm ti 20 cartouches ti zam sa yo nou souvent joine propriétaire yo, mais vraiment moun kap pote bon jan zam en dans territoire national là nous pas jamais wè qui côté dossier ça yo passé, nous pas jamais joine moun qui accusé, la police toujours gagne une enquête qui a poursuivre mais qui pas jamais joine définitivement yon bout. Alors question que en pile moun a posé c'est pour qui ça c'est ti zam sa yo souvent a joine mettre yo pendant ce temps gros zam fond fois bien louyo moun pas jamais ka joine bout zam sa yo moun pa jam ka jwenn vrai met zam sa yo. Malgré nou konnen an pil moun toujou ap kritike l'état haïtien en tant que grand autorité nan l'état haïtien kap fè zam entre sous territoire national la illégalement, moun sa yo se moun ki toujou été anonyme, moun sa yo se moun l'état pa jam bay moun sa yo vraiment. Alors population haïtienne nan ap mande est-ce que c'est seulement l'état retrouve ti zam sa yo pep haïtien kapab informé de ça, alors pour qui ça pep haïtien lui-même li pa informé l'état retrouvé des grands armes dans conteneur. Déjà nous connaît Haïti son pays qui pas fabrique armes, déjà nous connaît Haïti c'est un pays tout qui pas qu'on marche fait à ça rele yon marchand d'armes avec l'autre pays, mais ça pas empêché gen en pile bandi dans pays qui gen des grands armes fond fois dans mais yo et nek ça au même tout yo souvent a mettre yo en face la police yo façon pour yo ta faire quoi yo même yo gen pi gros armes dans mais yo que la police. Malgré gen en pile dans yo qui a témoigné fait connait que zam sak nan mais yo c'est grand autorité qui bayol, déjà nous connait nek ça pas gen zam pour pas gen cob pour acheter zam ça yo, alors nek ça on a demandé pour qui ça l'état lui même pas capable
pote bon jan enquête avec nèg sa yo kap fè zam antre nan peyi a. Malgré nous connaissons peyi ki chargé avec corruption, mais ça pas empêché chaque les nèg yo retrouvé yon ti 9 mm, yon ti calibre. Et on prend nèg yo toujours a pran micro la presse pour dire que yo fè yon arrimage, mais pour ki sa lè yo trouvé des grands zam à feu, yo pa pran micro la presse pour annoncer population haïtienne nan ke yo kenbe yon moun kap essayer fè zam antre illégalement en dans pays a. Ou même qui gagne un commentaire ou même qui gagne un bagage ou dit en dans dossier ça pas oublier quitter un commentaire pour dire nous qui soit penser dans genre de enquête ça police nationale pas jamais pas mener dans genre de bagage ça pas jamais pas prendre micro la presse pour dire que et DCPJ arrive mettre en bas code des monde qui entre avec exam illégal dans pays a, mais des monde nous connaît qui entre avec des grands cargaisons pour qui ça DCPJ pas jamais montrer vrai visage et pour qui ça tout pas jamais gagne un arrimage qui fait pour arriver mettre en bas code moun sa yo kap essayer fait zam entre illégalement sous territoire national là. Quittez un commentaire pour parler avec nous tout, quittez un commentaire pour voir un message by président Jovenel Moïse, un commentaire pour voir un message by DG Léon Charles. Déjà nous remercier ou même kap gade vidéo ça ou même qui pral partager ou même qui pral quitter un commentaire et déjà ou même tout qui te prend le soin gade vidéo ça, déjà nous remercier et ou même kap gade la vidéo qui poko abonner avec chaîne là encore une fois n'a invité ou abonner avec chaîne là pour nous capable à grandir communauté Jenangier.